Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 135 du compendium qui est: Comment le Christ jugera-t-il les vivants et les morts? Eh bien, voici la réponse. Le Christ jugera avec la puissance qui s'est acquise comme rédempteur du monde, venu pour sauver les hommes. Les secrets des cœurs seront dévoilés, ainsi que la conduite de chacun envers Dieu et envers son prochain. Tout homme recevra la vie ou sera condamné pour l'éternité selon ses œuvres. Ainsi s'accomplira la plénitude du Christ dans laquelle Dieu sera tout en tous. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 678 et 679 du catéchisme de l'Église sous l'intitulé Pour juger les vivants et les morts. Donc à la suite des prophètes et de Jean-Baptiste, Jésus a annoncé dans sa prédication le jugement du dernier jour. Alors seront mises en lumière la conduite de chacun et le secret des cœurs. Voir notamment Marc 12, 38-40, ou encore Luc 12, versets 1 à 3. Alors sera condamnée l'incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par Dieu. L'attitude par rapport au prochain révélera l'accueil ou le refus de la grâce et de l'amour divin. Jésus dira au dernier jour: Tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Le Christ est Seigneur de la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartient à lui en tant que Rédempteur du monde. Il a acquis ce droit par sa croix. Aussi le Père a-t-il remis le jugement tout entier au Fils. Voir notamment Jean 5, 22 ou Matthieu 25, 31. Or, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver et pour donner la vie qui est en lui. C'est par le refus de la grâce en cette vie que chacun se juge déjà lui-même, reçoit selon ses œuvres, et peut même se damner pour l'éternité en refusant l'esprit d'amour. Donc voir notamment Jean 3, 18, 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15, encore Matthieu 12, 32, etc.